Pour récompenser la générosité de Thor, un vélo flambant neuf. Un pauvre caillou. J'aime mon fils Thor, mais je n'aime pas mon autre fils Loki. Et le Père Noël est d'accord. J'élève mes enfants dans la partialité la plus totale. Je vais au pont arc-en-ciel offrir quelques tours en vélo à ces guerriers musclés et torse nus réunis près de l'eau. Le prochain Noël, la victoire reviendra à Loki, le roi de la connerie. Oh, je suis Thor et je suis assoiffé. Personne ne voit d'inconvénient à ce que je me reserve. Je suis Thor et je pisse. J'ai de hauts objectifs normaux car je suis le dieu du tonnerre. S'il vous plaît, la porte. Oh, oh, attendez, je m'en occupe. Salut, enchanté Thor, dieu du tonnerre. Au fait, prends ça. Tiens, par ma barbe! Aujourd'hui c'est Noël ou alors c'est le jour des contraires? Non, c'est bien Noël! J'ai été obéissant, c'est vraiment injuste! Ce satané Père Noël va savoir ce que veut dire la colère d'un dieu du tonnerre! Oh bon Dieu! Oui, mais pas assez bon pour toi! Hein? En garde! Thor n'a rien fait de tout cela. Pourquoi un dieu du tonnerre se resservirait-il du soda après avoir étanché sa soif? Pourquoi urinerait-il ça et là? Pourquoi tuerait-il une vieille dame? Tout du moins, ne suis-je pas responsable des deux premiers? À l'évidence, mon félon de frère est à l'œuvre derrière tout cela! Ressaisis-toi, noble Père Noël! Tu as été dupé, ainsi que moi-même! La vilainie de Loki doit être révélée! Wouhou! Je suis Thor l'Infernal! Il est fou allié! Arrêtons-le! Ne crains rien, Père Noël! Tu vas bientôt être en mesure de punir Loki! L'an prochain, en guise de cadeau, tu ne lui apporteras rien de plus qu'un vieux caillou! Joyeux Noël à toutes et à tous! Le dieu du tonnerre! Je désirais une chaîne pour la montre de mon mari. Oui, 75$. Oh mon Dieu! Mais je n'ai pas assez pour l'acheter. À moins que... J'aimerais vendre mes cheveux, je vous prie. Je voudrais une brosse pour les superbes cheveux de ma femme, s'il vous plaît. 75$. Pour une brosse? C'est quoi ce bordel? Elle est en or massif ou quoi? Ma montre vaut 75$. Oui, c'est une putain de pièce de collection! Bordel de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais t'offrir une chaîne pour ta montre, alors j'ai vendu mes cheveux pour pouvoir l'acheter. Oh merde, j'en reviens pas! Regarde ça, on dirait que t'as un cancer! Tu pouvais pas simplement rester ma jolie femme pour Noël? Ça ne te plaît pas! Et l'ironie du sort dans cette histoire, c'est que je voulais t'offrir une brosse à cheveux pour Noël, mais le type proposait que je lui vende ma montre pour pouvoir te payer! Oh non! Tu as vendu ta montre? Mais non, putain! Tu crois que je suis dingue à ce point-là? Pour une brosse? À mon avis, la brosse pour le chat est aussi bien que cette merde, et elle coûte 1,50$! Donc, tu ne m'as pas acheté de brosse? Oh, t'as aussi coupé les oreilles ou quoi? Je t'ai déjà dit non! Et qu'est-ce que tu m'as acheté alors? De la lingerie! Maintenant, enfile-moi cet attirail aux vitesses! Et ça aussi! D'accord. Je vais aller chez ma mère pendant quelques jours.